Exactement. Je pense que dans ce temps-ci, c'est un peu l'histoire de nos derniers matchs depuis la pause de Noël. On trouve des façons de perdre les matchs à chaque fois. Pourtant, on a eu des chances qui auraient pu les mettre hors du match. Puis, on n'arrive pas à les mettre au fond au bon moment. Puis après, je pense que ce soir, quand tu regardes les deux goals qui ont marqué, c'est une déviation puis un shoot manqué. Donc, comme j'ai dit, on trouve des façons de perdre des matchs, mais c'est trop facile maintenant de trouver des excuses, trop facile de lâcher. Je pense maintenant, ça va être il reste 6 matchs. Il faut montrer du caractère, il faut trouver une façon de se relever. Et je suis convaincu qu'on va le faire. Ça va être difficile, hein, mentalement, d'avoir une série négative comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Ben, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Je pense que c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Je veux dire, en fin de saison comme ça, on essaie de se battre et de gagner des matchs pour être le mieux classé possible. Présentement, ça ne fonctionne pas. Comme j'ai dit, toutes les façons de perdre des matchs, on les trouve. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire? Rien de spécial. Je pense que tout ce qu'il faut faire, c'est continuer à travailler. Il faut en mettre encore un peu plus. Si ça prend un petit peu plus, bon, on va le faire. Je pense que ce soir, on a quand même eu du positif. On a joué quand même plus physique que d'habitude. C'est continuer de cette façon-là. Le positif aussi, c'est que notre checking line a fait un boulot incroyable contre leur première ligne. Donc, si on fait ça tous les matchs, je pense que les chances de gagner vont s'agrandir. Merci beaucoup, Alex. Merci.